La communauté mouride se prépare à célébrer son calife, Cheikh Amadou Bamba, après la France, l'Espagne, le Canada, les États-Unis et le Danemark, dans le cadre de la caravane Magal Touba. Elle a choisi le Gabon, terre d'accueil du précepteur du mouridisme, pour cet événement. Pour nous, parce que Cheikh Amadou Bamba, en venant au Gabon, c'est lui-même qui a écrit que tout ce qu'il a eu, il a eu à partir d'ici. Nous considérons que ce que nous avons de plus cher, notre guide l'a acquis ici au Gabon. Et c'est pour ça que le Gabon représente quelque chose d'extrêmement important pour les Mourides, au même titre que le Sénégal et mieux au même titre que la ville sainte de Touba. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être ici en terre gabonaise. Du 22 au 29 du mois en cours, des rencontres, des conférences, débats afin de faire découvrir au monde l'histoire et le message universel de Cheikh Amadou Bamba. La communauté mouride a été fondée par Cheikh Amadou Bamba. Et Cheikh Amadou Bamba est un grand résistant qui a été exilé au Gabon en 1895. Il a été exilé parce que au Sénégal, son charisme, sa dévotion entraînait une telle ferveur au niveau du peuple sénégalais. Et les fidèles affluaient de partout vers lui. Placé sous la direction de Serigne Bassirou Mbaké, Abdou Kadr, petit-fils de Cheikh Amadou Bamba, une importante délégation séjourne en terre gabonaise pour la préparation du Grand Magal de Touba, avec des excursions à Lambaréné, Tchibanga, Mayumba et Port-Gentil sur les sites de passage du maître du mouridisme.